Le World Clean Up Day est célébré dans le département de Mbou, plus particulièrement dans le village de Nianing, situé dans la commune de Malekounde. En collaboration avec les associations de ces localités, la Jeune Chambre internationale a organisé une journée de nettoyage. Alors nous sommes là aujourd'hui dans le but de célébrer avec la Jeune Chambre internationale Sénégal la journée de World Clean Up Day ici à Nianing. Et nous remercions aussi nos partenaires qui nous ont accompagnés sur ce programme, sur cette journée. Il s'agit de la radio Côte FM de Nianing et l'association des jeunes qui sont là avec l'ASC Tiamassas de Nianing. Alors, cette journée est une journée lancée par la Jeune Chambre internationale. Et aujourd'hui, la Jeune Chambre internationale du Sénégal se joint à cette idéologie avec toutes les organisations nationales au Sénégal de s'activer dans leur milieu, de s'activer dans une zone au Sénégal pour essayer de célébrer ensemble cette journée de nettoyage. Toujours dans ses propos, le président de la Jeune Chambre internationale Mbou revient sur le manque d'appui des autorités étatiques. En fait, solliciter l'État pour qu'il nous accompagne dans nos projets, cela existe. Hein. Mais bon, maintenant, même ce projet, on a sollicité la mairie hein, de Nianing. Mais bon, on l'a sollicité, mais je pense que jusqu'à présent, la mairie n'a même pas donné aucun franc, ni matériel, ni financièrement. Mais cela ne nous empêche pas de faire que les jeunes n'attendent rien des hommes politiques pour essayer d'aller en avant. Nianing est choisi vu sa dimension touristique, nous dit le président. Est une zone touristique, non seulement touristique, mais est une zone aussi stratégique au niveau du développement du département de Mbour. Alors, pour cela, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne peut pas expliquer à l'instant. Mais nous savons vraiment que Nianing, bien vrai que c'est un village, mais un village qui a aussi un statut beaucoup plus élevé. Et c'est une zone aussi beaucoup plus stratégique. Et de cela, il est intéressant de venir vers là-bas. Parce qu'il y a des jeunes actifs, il y a des jeunes qui sont prêts à impacter leur communauté pour leur donner cette occasion avec la Jeune Chambre internationale de continuer à impacter leur communauté, de continuer à montrer de très bons exemples de jeunes citoyens actifs au niveau de leur communauté. La Jeune Chambre internationale remercie toute la population d'avoir répondu massivement pour la réussite de cette journée.